partenaire du tennis féminin depuis 16 ans. Virginie, vous meniez 5-2 dans la première manche. Vous perdez, si mes calculs sont bons, 11 jeux alors que vous n'en gagnez que 2. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bien la question que je me suis posée à la fin du match, même pendant le match, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, essaye de sortir de ce flou, parce que c'était en effet pour moi une chose où normalement quand on mène 5-2 ou 5-1 ou 5-3, on essaye de conclure. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à conclure, je me suis peut-être un petit peu précipitée, j'ai manqué de lucidité à ces moments-là, à 5-2 pour faire 6-2, 5-3, 5-4, 5-5. C'est vrai que là, j'avais l'envie de finir, mais entre l'envie et la conviction, il y a un monde. Donc c'est vrai que l'envie était forte, je voulais vite finir, et je pense que c'est le fait d'avoir voulu vite finir où là j'ai manqué de lucidité, parce qu'après bien sûr il y a la lucidité qui rentre en jeu, ça m'a fait rater des points importants, et puis il manquait le bâti qui est la conviction de oui, je veux, j'ai l'envie, mais la conviction n'est pas tout à fait présente pour pouvoir réussir son coup ou gagner le set. Et je crois que c'est ce qui m'a pénalisé aujourd'hui, sachant qu'en plus Stéphanie, elle a fait un bon match. À ce moment-là, elle a resserré le jeu, elle a essayé de mettre une opposition pour que je rate, pour que je fasse la faute. Donc c'est vrai qu'elle, je lui dis bravo et je suis contente aussi pour elle, parce que c'est vrai que ça va lui permettre de revenir un petit peu dans son classement. Et en tout cas, je l'espère, si elle passe un tour dans le tableau final principal. Donc ça serait bien pour elle. Et puis pour moi, c'est vrai que je suis forcément déçue, parce que c'était le dernier tour des qualifs. C'est jamais facile de jouer les qualifications à chaque fois dans les tournois, parce qu'on fait plus de matchs que forcément les filles du tableau final, enfin finaux, pardon. Donc c'est vrai que il y a plus de travail à faire, mais en même temps il faut savoir passer par là, il faut savoir se bâtir et en même temps évoluer comme j'essaie de faire à chaque fois que je m'entraîne, que je match. Donc c'est plutôt positif, je suis quand même contente d'avoir gagné 2 matchs sur 1 défaite, je suis sur la bonne voie.